Bonjour Jackie. Bonjour. Alors, vous êtes passionné de Johnny? Oui, j'adore, j'aime bien, quoi. C'est depuis ma 30 ans de jeunesse, puis l'âge de 10 ans. J'en ai 65, ben, ça fait 55 ans que je suis passionné. Alors, comment vous trouvez les objets de Johnny? C'est des objets que j'ai achetés, tout ça. Puis, comme dans la famille, les copains, tout ça, au lieu de me payer pour que ce soit un cadeau, il me faut toujours un cadeau de quelque chose de Johnny. Et puis tout ce que j'ai acheté, quoi. Mais je trouve, ça fait partie du club Limited Access qu'on a, on peut commander dessus. Puis on a tous les objets de Johnny qui se trouvent. C'est pour ça que j'ai avec moi puis des copains qui m'ont prêté aussi quelques exemplaires pour la collection, pour exposer. Vous avez au total combien d'objets de Johnny? Je peux pas vous dire. C'est impossible de vous le dire. je ne sais pas. Pour rien compter, mais moi, je compte pas. Je compte pas. Parce que pour moi, du simple briquet comme la guitare de mon copain qui est là, c'est la même valeur. Sentimentalement, c'est la même valeur pour moi. C'est tout. C'est des cadeaux qu'on m'a fait. J'ai acheté à telle et telle époque. Comme là, tous les t-shirts qui sont là, c'est tous des t-shirts. Les miens que j'ai tous portés. Bon, on peut voir la différence entre il y a quelques années puis maintenant. Mais c'est de la valeur pour moi, tout a de la valeur. Vous n'en avez pas un qui est plus attachant que d'autres? Il y en a un qui me tient à cœur, qui tient très très à cœur. Et ça vient de ma nièce qui me l'a offert. Et c'est un pins. C'est une série qui est là, et elle était toute jeune, elle avait peut-être une dizaine d'années, qu'elle m'a offert ça, et c'est un pins en plusieurs morceaux. Ça représente une grosse figure de Johnny, des éléments de Johnny, mais ça fait 6 pins, mais on peut en faire qu'un à l'affaire. Et ça, c'est un cadeau qu'elle m'a fait, qu'elle m'a toujours ému, et que j'ai toujours. Et c'est sentimental. Alors pourquoi organiser ça ici à Caudry? C'est des copains qui me connaissaient, tout ça, des voisins, tout ça, qui savaient que j'avais ça à ma maison. Et qui m'ont dit, si tu veux, on peut faire une exposition de Johnny. Moi, je suis partant. Je dis, ouais, si vous voulez. Parce que sachant que c'est quand même la troisième exposition qu'on fait à Caudry. On en a fait une en 98 à l'ancienne salle des fêtes qui m'attend le théâtre. En 98. En 2002, on a fait la nouvelle salle des fêtes. Et ça, c'était un très grand collectionneur. C'était Jean-Luc Rocco de Ternier qui était venu avec toute sa collection. Mais là, qui est immense, immense, immense. Et puis, il y avait les deux salles des fêtes, on n'a jamais pu tout mettre, tellement qu'il y en avait. On n'a pas pu tout mettre. Et du coup, alors moi j'avais ça aussi, j'ai une petite exposition comme ça, ouais, pour moi ce que j'ai, puis les copains, on peut le faire, c'est tout. Et le choix avec les photos, les CD, tout à l'heure vous nous avez parlé qu'il y avait des CD et des disques 33 tours qui étaient exceptionnels. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont sorti, Johnny a sorti ses 40 premiers 33 tours, et ils ont été sortis après des 40 CD avec la même pochette que le 33 tours, et le CD à l'intérieur, c'est le même que le disque. C'est-à-dire que quand on regarde le CD, on a un petit 33 tours, mais qui est un CD. Et tout le pochette, que ce soit l'intérieur, tout ça, les couleurs, tout est le même que le 33 tours. Alors, est-ce que vous avez soit un Facebook, soit un site internet où on peut revoir tout ça? Non, je suis pas. Non, je sais pas. C'est peut-être une idée à faire, mais je suis pas tellement internet. Je suis juste pour avoir mes messages, mais ou alors pour. Beaucoup me disent des fois, on a marre, c'est toujours que Johnny tu passes, mais c'est qu'on m'envoie, puis que je pique et puis que je repasse. Quoi. Et donc on vous retrouve jusqu'à donc samedi, et après ça sera fini pour cette exposition-là? Oui, ça sera fini cette exposition-là, ouais, c'est sûr, ça sera fini. Ça fait depuis début septembre qu'on est là, après non, ça sera fini. On démonte lundi, malheureusement, parce que là c'est vrai que... Je m'y suis habitué, pour moi, depuis le mois de septembre, tous les jours, je viens, toujours je suis là. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, au début c'est beaucoup d'amis qui sont venus, des machins. Et après, par la suite, c'est des passionnés, des collectionneurs. Et on a pu discuter, j'ai passé des heures ici à discuter avec des personnes que l'après-midi passait, on voit rien. Et c'était très 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 intéressant.
Alors une petite question qui me vient comme ça. Est-ce que vous avez déjà été voir le concert de Johnny? Un an. 40, oui. Et son prochain, vous allez y aller? Bah certainement, oui, certainement. Mais disons que bon bah j'ai une maladie, malheureusement, je ne peux plus rester trop debout. Et je ne peux plus aller dans la fosse, je ne peux plus aller devant, tout ça. Et ça, les derniers que j'ai su aller, j'étais dans le public, mais s'éloigner, puis bon, on est dans l'ambiance, on a tout, mais c'est trop mal à mon cœur. Alors faut je me rétablisse, puis aller repartir dans la fosse, j'irai, j'y retournerai. Mais c'est sûr, je suis depuis tout le temps, j'ai vu tous ces concerts, Mais maintenant, ce que je préfère, musicalement, même en restant debout, c'est les petites salles. Je préfère comme l'Olympia, ou alors à la Cigale, là. Là, c'est plutôt familial. Là, c'est vraiment des fans et puis tout, c'est familial. C'est bien. Là, c'est très très bien. Et est-ce que vous l'avez déjà vu à côté de vous? Oui, une fois, bon, par connaissance, une personne qui le connaissait, tout ça, qu'on a pu l'approcher, tout ça. Je sais pas ce qu'on croit, ce qu'on pense. C'est pas le foufou, c'est le mec qui discute super bien, on discute. Comme deux copains, comme des gars normal et puis tout. Moi j'ai un copain, justement un copain de Ternier, Jean-Luc, qui l'a vu, qui a gagné un concours, parce qu'on se bat pour faire des concours, mais c'est toujours lui qui gagne. Et il était parti 8 jours à Las Vegas avec lui. Ils sont partis ensemble, et il m'a dit, écoute, c'est un gars, tu ne peux pas savoir. Le soir on sort, on va manger, on fait la fête, tout ça. Le même matin, cool, tranquille. Et l'après-midi, il dit, tu peux pas. Il se met sur une chaise longue. Un bouquin à la main, il peut rester 2 heures. 2 heures à lire comme ça, mais de cool, et puis tout, puis tout le monde le laisse tranquille, puis c'est tout. Mais alors, il dit, il est calme, comme super, super. Puis c'est vrai, quand on le connaît, qu'on le voit, il est calme. Bon, après, là, ça, bien sûr, réputation, hein, on aime ou on n'aime pas, mais bon, moi, je peux pas trop parler dessus, parce que c'est une adoration, quoi. Voilà. Votre prochain événement, ça serait quoi, là? Moi, je sais pas, je vois jamais l'avenir trop loin, je sais pas. Le prochain événement, je peux pas vous dire, je sais pas. Comme ça vient. Là, on m'a dit de faire l'expo, j'ai dit ouais, maintenant après on verra. Si on me le demande et puis que je peux le faire, ben, je le ferai. Maintenant, c'est de remettre tout ça à la maison. J'en ai profité pendant 4 mois pour m'installer une petite pièce au sous-sol pour faire mon petit expo. Voilà, pour moi personnel, mais après, je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée. Eh bien, merci Jackie de nous avoir accueillis dans votre domaine qui est Johnny Hallyday. Merci à vous, puis je vous remercie d'être venu.